croisés. Pardon, tu peux te voir. Comment ça va? Et j'ai un sustato chez moi là. Tu sais, ma femme, elle me trompe. Chaque fois que je sors là et je rentre, elle est tout le temps fatiguée. Même pour la toucher la nuit là, elle me dit qu'elle est fatiguée. Donc tu sais, quand je veux partir au boulot maintenant, je veux que tu la surveilles pour moi. Tout ce qu'elle va faire là, ces mouvements là, il faut me surveiller ça dans la maison. De surveiller ta femme pour toi. Elle me trompe. Ça, c'est un petit travail. Surveille seulement. Chérie. Tu veux? Oui. C'est moi qui dors. Allez là, tu dors encore. Bonne arrivée. Ça va? Ça va, toi? J'ai fait un peu. Pourquoi tu dors comme ça? Je suis fatiguée. Tu as fait quoi pour être fatiguée comme ça? J'ai rangé la chambre, toi, mon regard. Je suis très fatiguée. Tu as rangé la chambre et la chambre est comme ça? J'ai. Bon, j'ai pas terminé. Bon, c'est pas grave. Il faut me donner à manger. Je veux manger. J'ai pas pu préparer aujourd'hui. Je t'ai acheté à manger. Comment tu n'as pas préparé? Je t'ai donné de l'argent, non? Oui, mais autant me regarde la fatigue et tout ça. Tu as fait quoi pour être fatiguée comme ça? Il y a comment la chambre est? Et tu me dis que tu as rangé la chambre et la chambre est comme ça? Mais arrête de crier. Pourquoi tu souffres? Comment je vais te donner de l'argent? Tu vas pas me faire manger. C'est quoi, c'est emporté, tu m'as acheté? Oui, je t'ai acheté à manger. Attends, moi je te donne. Prends ça comme ça aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, s'il te plaît, aujourd'hui là, est-ce que tu as pu remarquer quelque chose sur ma femme? Parce que je suis là, mais elle est tellement fatiguée que. Et pour manger maintenant, c'est emporté, elle m'a fait. Tu es sûr que le voisin célibataire qui est à côté de moi là, tu es sûr que je ne gère pas ma femme? Tu sais, le gars là, moi-même je le soupçonne. Il faut que j'aille pour. Non, viens d'abord, On parle là, madame. Moi-même je vais le surveiller. Le jour, on va l'attraper. Tu vois, tu manges quoi le fou? Tu vois, si tu comprends pas. C'est deux là, j'ai trop de problèmes. C'est pas un problème. Tu connais ma femme là, non? Clé là. Ma femme là, elle fait les petits jeux maintenant là. Jusqu'à moi, mais je ne la comprends plus. Chaque fois que je rentre à la maison, elle est tout le temps fatiguée. Ton femme, fatiguée. Et jusqu'à, je l'ai confié à mon voisin là. Aïe, aïe, aïe. Celui qui est en face de moi là. C'est lui qui me gère le dossier. C'est toi. Il t'a mangé. Voilà, ton voisin t'a courbé. C'est mon ami, on est tout le temps ensemble. Ouais, c'est ça que je t'ai dit. Ton voisin t'a mangé le derrière comme ça. Arrête. C'est moi, j'ai dit que ton voisin mange ton femme. Et ton femme là, elle est à la maison là. Elle est là. En lui disant, je vais lui dire des mots. Si elle peut me regarder dans le GP, elle me répond là. Si elle était trop. Attends, tu connais avec qui elle me trompe? Je ne sais pas, je n'ai pas dit ça. Toi, tu es bête. Tu veux confier ton femme, ton voisin. Elle veut manger ça. Passe devant moi. Passe. Toi là, vraiment, tu vas dire quoi à ma femme là? J'ai dit, c'est comme ça. Voici. Sonia, c'est comme ça, toi, tu es avec moi. Non, je ne veux pas perdre. Je suis déjà le juge là. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Fais-toi. Attends, moi, je sais que c'est le cadavre qui va quitter ma famille. Non, il ne faut pas perdre. Toi, tu manges ma femme comme ça.